Tēnā ngānsō shūrūk lēnjī tēnē tsāngmā kūkham sāngbō tēnē sēmbā tēsō lēbō tēnē tūkdām gōngpēl tēnē tsāngmā yāgbō yōgāgī rēwā yō, mēlām yō tēnē tsāngmā lā tsāmdī shūgā yō stirīng tsāmdī shūgā yō tēnē Da pena sanje kichu mangbo sung yore tsudor dina tene tekwa sumla tsudi kogu yores tene nyente ki tekwa janji sembe tekwa sanga ki tekwa je tekwa sumla dugyo da tene nyente ki tekwa siyate da nyamlin tsogo de denshi sanje ki denbashi Dekhte niyam lindi je tsoo di dikwa mige wachu pangu kuyore, tene genyen, gechul, gelong diso ge domba shunen, domba sungu kuyore. Dila tene tsinyi tekwaas, tene dila nyentuki tekwaas, nyentuki tekwa khurangla, tene tawa gomba choba yore, tene da trefuchi, tene da janju sembe, janju sembe tekwa dee, tene sanje ki chukur tangbo sungne, sangje ne, lo chubdun ki chee la, jagu pungpuri la, sungshu di tene tekwa chenpo, tene janju sembe tekwa ase, o de la yin tene, tawa gomba cheba trepo che. Tene, di chee la tama la tene, sangandorji tekwa ki chukur, tene chukur rinpa sumse ne, Sumba di sanga dorji tekwa asa tene ngaranzo lukwa kunjin chenpo pema karpo ki tende sungu yore sika. Sanga khurang la tene tawa gomba cheba trepo che. Tene di tekwa sum di tene pyo la tekwa sum di sumja dar yore sika. Tekwa sum di sumja nyambo nyamnin chiga yore sipe na chi susur tarpa. Nang janchu senpa, sangwa tene sangwa tene sangwa ke nyamlen je, mi chi ki tekwa sumdi nyambo nyamlen je kyo re. Tene tene che che ro. Tene da, di tekwa, tsenyi tekwe kabla, nyentu ki tekwe kabla, tene pangja di mangpo re, pangwaya mangpo trupja shina pangwaya, je ki tene Chachambo tabya di desu yunungbu korguyore. Tene sangje tabya yang tene kalpa mangbo la. So namki tso ishiki tso san tabuyore. Tene tekwa chimbo la desu dili joga tabuyore. Tisa tekwa oma li, tekwa kangma di tene miksege. Tene nipa chimbo di. Tene sanga ki kabla ne tsechi luchi la sangje tabuyore. Di chepareta, ogu di tsenyi sepo di pondushin re. Tene di kanla, pondushin kanla, shingdong dabu di tene janju sembe tekwa che, tiki debu dabu di sangha ke tekwa che. Tene di su tsangma da byo la, di tsangma dariyo re. Mojiro. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en forme, que vous avez le moral, c'est vraiment ce que j'espère. Je vais donc partager quelques mots avec vous, dont nous avons, pour reprendre un peu ce dont nous avons parlé ces derniers jours, du Dharma, l'enseignement du Bouddha, l'enseignement spirituel tourné vers l'intérieur, vers l'éveil. Et cet enseignement, il peut être réuni et compris dans trois grandes catégories d'enseignement qu'on appelle les trois véhicules, ou les trois yana en sanskrit. Le Hinayana, Mahayana et Vajrayana. Hinayana, c'est-à-dire le premier véhicule, le premier corpus d'enseignement, c'est le véhicule qu'on appelle le véhicule des auditeurs. Le Mahayana, c'est le véhicule des bodhisattvas. Et le Vajrayana, c'est le véhicule des tantras. Le véhicule de base, le véhicule des auditeurs,
Il repose sur les enseignements des quatre vérités supérieures, les quatre vérités du noble, de la dimension noble, ou les quatre nobles vérités. C'est un véhicule dont l'enseignement sur ces quatre nobles vérités est un enseignement qui repose sur les caractéristiques des phénomènes, donc on l'appelle le véhicule des caractéristiques. Et c'est un enseignement qui met l'emphase sur le fait de s'abstenir de la non-vertu, en particulier des 10 actes non-vertueux qui regroupent toutes les formes de non-vertu. Et avec cette abstinence, avec cette retenue dans l'action du corps, de la parole et de l'esprit, viennent des engagements qu'on appelle les vœux religieux, les vœux de fidèles laïcs, les vœux monastiques, les vœux de novices, les vœux intermédiaires, les vœux d'ordination complète, les vœux de moines et de nonnes. À ce véhicule fondamental, ce premier véhicule, le véhicule des auditeurs, est associé une vue philosophique, un type de pratique, un type de contemplation, de méditation ou de familiarisation, et une conduite, une attitude, un comportement, ce qu'on appelle la vue, la méditation, l'action. Trois volets d'une religion. Dans le deuxième yana, le Mahayana, le véhicule des bodhisattvas, c'est un enseignement que le Bouddha a donné beaucoup plus tard. Après avoir atteint l'éveil, il a d'abord enseigné un premier cycle d'enseignement qui est donc ce véhicule des auditeurs. Et puis, 17 ans plus tard, en ce lieu qu'on l'on appelait le pic des vautours en français, Vajragira, Vajragira en sanskrit, au pic des vautours, il a initié un nouveau cycle. Le deuxième cycle qui est celui du véhicule des bodhisattvas, qui comporte une vue philosophique particulière, une contemplation ou familiarisation spécifique et une conduite spécifique. Donc une vue, méditation, action du véhicule du Mahayana. Et puis, plus tard, beaucoup plus tard, le Bouddha a à nouveau fait tourner la roue du Dharma, c'est-à-dire qu'il a enseigné un nouveau cycle d'enseignement. Et la façon dont Pema Karpo analyse l'enseignement bouddhiste, donc il distingue les trois roues du Dharma, ça on trouve ça dans toutes les traditions tibétaines, disent que le Bouddha enseignait trois roues. Et Pema Karpo dit première roue, premier cycle. C'est le cycle du Hinayana, deuxième cycle, le Mahayana. Et donc le troisième cycle, c'est le cycle du Vajrayana. Et le véhicule des mantras, des tantras. Et ce véhicule-là, ce n'est pas un véhicule causatif, ce n'est pas un véhicule qui repose sur les caractéristiques des phénomènes tels que nous les percevons. C'est un véhicule qu'on appelle le véhicule du fruit, qui s'appuie sur la réalisation du fruit, du chemin. Et les trois véhicules, Mahayana, Hinayana, Vajrayana, ne sont pas incompatibles. Chaque personne peut pratiquer les trois, associer les trois, et les combiner de telle sorte qu'au niveau extérieur, on pratique le véhicule des auditeurs, au niveau intérieur, le véhicule des bodhisattvas, et au niveau secret, dans le secret de notre cœur, le véhicule des mantras. Donc c'est tout à fait possible et c'est ce qui est préconisé dans les traditions tibétaines, c'est ce que nous essayons de faire ici, chacun d'entre nous. Le véhicule extérieur, le véhicule fondamental, le yana, le hinayana ou theravada, c'est un véhicule qui repose surtout sur donc, l'abstinence, ce qu'on doit arrêter de faire, ce qu'on doit s'abstenir de faire, qu'on doit abandonner, ce à quoi on doit renoncer. Et sur cette base-là, à force de pratiquer cela, on peut, avec la vue, la méditation et l'action qui correspondent, on va arriver à se libérer du samsara et donc à devenir ce qu'on appelle un arhat,
c'est-à-dire victorieux sur les perturbations de l'esprit qui enchaînent dans le samsara. Au niveau intérieur, on pratique le Mahayana. Et pratiquer le Mahayana, c'est beaucoup plus rapide. Ça permet d'atteindre d'abord l'éveil complet, l'éveil parfait et complet d'un Bouddha, d'un être pleinement éveillé, et pas simplement se libérer du samsara. Et c'est plus rapide que le véhicule extérieur, le véhicule des caractéristiques du Hinayana, qui est un véhicule qui met beaucoup, beaucoup de temps, surtout si on vise la bouddhéité complète et parfaite. Ne pratiquer que le petit véhicule, ça va être très, 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 très lent. Donc, comme le véhicule du Mahayana mène à un résultat supérieur de manière plus rapide, il est supérieur au Hinayana. On peut dire que ça correspond à une promotion. C'est une élévation que de pratiquer le Mahayana. C'est un progrès par rapport au Hinayana, de notre point de vue. Et le Vajrayana, le véhicule ésotérique des mantras secrets, il permet, si on le pratique bien, d'accomplir en une seule vie, dans ce corps-ci, maintenant, dans cette vie-ci, d'accomplir l'éveil complet. Donc c'est un véhicule qui est extrêmement spécial. Ce sont des enseignements extrêmement spéciaux. Mais même si l'on pratique le Vajrayana, le Hinayana, la base qui consiste à s'abstenir de certaines choses, etc., est une fondation. Ça reste la base sur laquelle, comme le terrain, la terre solide sur laquelle on s'appuie. Et sur cette terre, sur ce terrain, il y a comme un arbre qui est le Mahayana. Le Mahayana pousse sur le terrain, le terreau du Hinayana. Et puis cet arbre donne des fruits, qui est donc le véhicule suprême, le véhicule spécial du Vajrayana, qui est comme le fruit, qui donc ne pousse que sur l'arbre du Mahayana, et cet arbre ne pousse que sur le terrain du Hinayana. So good evening everyone. I hope you are all in good shape and healthy, and also that mentally you are fine and doing well. Really, this is my wish for all of you. I will again tonight share a few words. We've been talking about so far during the previous days about the teaching of the Buddha and what it means to be a Buddhist, and all the teachings of the Buddha, or all the teachings that deal with enlightenment, can be summarized in three categories, or three ways, or three vehicles. The three yanas in Sanskrit, which means the three vehicles. The first vehicle is the vehicle of the hearers, or the listeners. The next vehicle is the vehicle of the bodhisattva, and the third vehicle is the Vajrayana, the vehicle of the mantra. The first vehicle, the vehicle of the listeners, comprises the first teaching that the Buddha gave for the first years after he reached enlightenment. He was teaching what we call the four truths, the four truths of the noble, or the four superior truths, or the four noble truths. And this corpus of teaching is a vehicle or a way to proceed towards enlightenment, which is based on the characteristics of phenomena. And it promotes the renunciation, refraining from non-virtue, and in particular the 10 non-virtue deeds that consist of all the different negative deeds we may commit with our body, speech, and mind. And this vehicle involves commitment in terms of vow, religious vow, such as the lay vow and the monastic vows, with the different levels of monastic vows. The next vehicle, the Mahayana, was taught much later by the Buddha, 17 years later at the Vulture Peak in northern India. He started to teach a new cycle of teachings, which is the teaching that is based on bodhicitta,
the vehicle of the Bodhisattvas. And just as the first vehicle, the first corpus of teachings, included a specific philosophical view, what we call the view, which is a perspective on how the phenomena exist and how they are run. The view, and then what we call the meditation, which is familiarizing oneself with this view, and then the conduct or the behavior. Or we may say view, meditation, action. And similarly, in the Bodhisattva's vehicle, there is a specific view, meditation, and conduct. And much later, the Buddha taught again a new cycle of teachings. So these different cycles are called the three wheels, the wheels of the Dharma, but maybe it makes more sense in our language to speak about cycles of teaching. And it is specific to Kunkien Pema Karpo, the fourth Gyalwang Drupa, to present the three wheels as corresponding to the three vehicles. So the third wheel is the wheel whereby the Buddha taught the Vajrayana. And Vajrayana has its own view, meditation, and action. And it is a vehicle that is not based on the characteristic of ordinary phenomena. It's a vehicle that is the vehicle of the fruit. The fruit of practice, the enlightenment, is the starting point. It's the vehicle of the fruit. And these three vehicles, we can combine them. One individual can combine them and practice them all together. This is what we try to do here, what we train in. Externally, we train in the Hinayana. Innerly, we train in the Mahayana. And secretly, which means in the innermost secret of our mind or heart, we practice and we train in the Vajrayana. Externally, the practice of Hinayana means that we refrain, we abstain, we abandon certain things and behaviors and so forth. And with that, practicing that for many years and many lives, we will eventually be liberated from samsara. So this is still not full Buddhahood. It is possible then to upgrade and move to full Buddhahood, but this takes a very long time. And then innerly we practice the Mahayana. And the Mahayana as we have seen, a different view, meditation, and conduct. And it allows us to reach within a few cosmic eras, a few kalpas, to reach complete enlightenment. And so it's much faster than the Hinayana. And in that sense, because it leads to superior fruit and superior speed, it's a superior compared to Hinayana. It's upgrading ourselves. And then Vajrayana, if practiced properly, allows us to be fully enlightened in this very life, in this very body. So it's very special. It's a very special vehicle. And so we practice the three, and the three can be seen as being based one upon the other. Like Hinayana is the ground, is like the earth, the ground. And on that ground, there's the tree of Mahayana that grows on that ground. And that tree gives fruit, and this fruit are Vajrayana. So Vajrayana grows on the tree of Mahayana, which grows on the ground of Hinayana. Tende sanje ki chu rimba mangbo sungu ya di wansu lo rimba mangbo ya san di dendala sungba res di hagu wadu. Tende sanje ki sung sha ju chu tamze wansu ki rangju ki ni mongba du sha shi na di mong aja chakdo pa me ba ta ya ki ni mbo rim. Dihimente, di lama jangete, di tentala sunga diagwache. Tene penna, pechanala yungu dukashunala, penna, pe perita, penna,
de la duk poson poson gi xingdong chi kiro de la ye ba chi xingdong de pe nyang ga chambo de da example nyen mong bar de che che da de mo pe de da xingdong chi chi de ne ang zo tera ba da gi che ni te bo gi de ne di di duk re o di duk re ro de ne la de ne chi da tar mo di nyang ga chabo re se ona nyen mong bar de ne se pang go re che ni te ba la tene chitum sumpe, didi, tetai tene di gilong chiena tene kimingi tongpa ta chuma, lakwa rei chuma, konda khala sa chuma, sendabu, dadi dugure ta, oh, sepe nyinga tsawa, ok. Tene, tene tekwa chimbu le di, tekwa chimbu ge tabge, di dugdi mebatang, chie tene, kwa mebatang aere. Tene sangal le di duk di pejitang. Ok? Duk di pejitang se di, tene sangal ki ne churne, tuja shetan timu di, tene pa sanje nga ishi nga la, jurni rangi nyamne la pejitang, chepar tende yor da, di la, kurang ka papal, di yor, di saha kuwa che ra. Tene di tone, da, a osan tene, danda, Tera bata kabla rangi chikbu jangchi topku kuyo re, rangi chachimba kubang topku kuyo re, rangi chikbu mato shenla samlatan kuyo mara. Tene tekwa chimbu le di rangi poket, tene semjen thamje, dekha nguma responsu semjen thamje jangchi toya re. Tene sanga le di, tene dada shen kaya meba. Then the war, then a Kazamanzo, Jabrukola, the Shere, Jabru di, there was some jar, Shinra with it, Jabru. Goda with it, opened up with the Jabru. In Jimmy Jabs, Jabruko, we are the Jabru Dombati. Then a Jabru, Jabru de Manzo da, last Jabru di la, pain, then a Jabru di la, Sukhi yoina, so did any. Pengi, pengi sudi, tene namgal yang, deden doa, jabsu songwe sonum raba, jabsu doa ki merit, gadi dela sukchena ka, sukyo na, namki kam kun kanyang dene dewe lakbar churu, sidi, namgayang chungdarta sonum ki, yona, tene, Pain Temabadan, Dembare, Sabroti. Tene, Chutamji, Tenshi, Japson Roa, Indi, Sabrodilla, Nendendu, Samotangores, Ketchimbore, Ta, Nendensity, Inchiminchi, Akbojene. Tene, da, Direndada. Pure Nambadi, Tebachimbo Indi, Manzo, Chapter Domashina, Japson Donaya, Tadan Semjan Tamje, Sadi Labgor, Manzo Terabata Marua, Tene, Inchiminchi, Semjan. No pocket, yet the kitchen bodies. Then the job to salvage it. Le Bouddha a donc a donné une grande diversité d'enseignements, non seulement ces trois classes d'enseignements, ces trois véhicules, mais une très très grande diversité d'enseignements qu'on peut ramener à ces trois véhicules. Et pourquoi est-ce qu'il a donné une telle diversité d'enseignements qui sont parfois très très différents, même qui semblent contradictoires les uns avec les autres? C'est du fait de la diversité des personnes et des personnes qui peuvent pratiquer l'enseignement du Bouddha. Il en faut pour tout le monde, donc il y a une grande diversité. C'est comme quand on est malade, il n'y a pas de remède universel, on ne va pas à la pharmacie, c'est le même remède pour tout le monde. Suivant les maux qu'on a, suivant les problèmes qu'on a, ce n'est pas les mêmes prescriptions, ce n'est pas les mêmes posologies, ce n'est pas les mêmes dosages, etc. Donc il y a une grande diversité, et encore plus grande diversité. Après, pour comprendre la distinction entre les trois véhicules, il y a une analogie qui est assez parlante, qui est l'analogie d'une plante vénéneuse. Imaginons une plante toxique dont le simple contact peut être toxique. Cette plante, c'est une métaphore pour les perturbations, les afflictions de notre esprit et la confusion dans laquelle on est par rapport à la réalité.
Si cette plante est une, était une plante, donc si cette confusion, cette condition, était, cette perturbation, ces perturbations étaient une plante, dans le Hinayana, l'attitude que l'on a par rapport à ces afflictions, c'est de les éviter. Imaginez la plante, toxique même au contact. Dans le Hinayana, on se tient très 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 loin. On ne veut même pas avoir l'odeur de cette plante puisqu'elle est toxique. On fait très très attention, dans les moindres détails, à éviter tout contact et être le plus loin possible de cette plante. On se protège de cette plante en l'évitant, en s'abstenant, en se réfrénant, en renonçant, etc. C'est tous ces aspects-là de l'abstinence dans le Hinayana. C'est se tenir loin du poison. Donc ça donne toute la discipline hein, de l'abstinence, etc. En détail, avec tous les détails des vœux. Dans les vœux monastiques, il y a des centaines de vœux, hein, de choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, dans le Mahayana, il y a une technique pour gérer cette plante vénéneuse, c'est d'aller à la racine et de la couper, de trancher la racine du poison. Et donc c'est radical et c'est une approche complètement différente. C'est reconnaître la plante comme un poison, mais la traiter autrement qu'en la fuyant. Dans le Vajrayana, c'est encore plus habile, c'est le véhicule spécial, qui va utiliser cette plante comme un grand alchimiste pour en tirer un élixir médical. Pour en faire un médicament, pour en faire quelque chose de bénéfique. Et donc ça demande une capacité supérieure, évidemment, une capacité rare, aussi une force, c'est pas n'importe qui peut aller au contact de la plante vénéneuse et commencer à la manipuler, entre guillemets, entre parenthèses, à jouer à l'apprenti sorcier. Il faut savoir ce qu'on fait, il faut être très calé, il faut être très fort. Ça demande une capacité supérieure, une espèce de force ou de capacité. Ce qui va distinguer, donc voilà, ce qui distingue énormément les trois yanas, les trois véhicules. Également, ce qui les distingue, c'est la motivation. Dans le Hinayana, on pratique pour se libérer du samsara et pour se libérer soi seul. En fait, on pense à soi et on se tire soi-même d'affaire. On a vu quand on prend refuge pour se libérer du samsara. Dans le Mahayana, on garde présent à l'esprit l'ensemble des êtres qui sont aussi nombreux que vaste est l'espace et on pense à leur souffrance et on pratique et on prend refuge par exemple pour amener tous les êtres à l'état de Bouddha, à l'état de grande réalisation, de grande bouddhéité, l'éveil complet. Et dans le Vajrayana, qui est le véhicule spécial, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus moi et les êtres. On est au-delà de cette distinction. Donc, c'est suivant ces trois niveaux que l'on prend refuge, en fonction de notre capacité, puisque tout cela dépend de notre capacité. Et dans tous les cas, la prise de refuge, à partir du moment donné où elle est authentique, qu'elle relève d'un de ces trois véhicules, on a vu qu'elle était... on en était hier au bienfait de la prise de refuge et nous avons vu que le refuge est immense. Et alors quand on prend refuge dans les véhicules supérieurs, les bienfaits, si on donnait une forme à ces bienfaits, quelle serait cette forme? Quelle serait la taille de cette forme? Eh bien, les textes disent que... de même que l'espace est infini et immense, eh bien, les bienfaits, en fait, sont encore plus infinis et encore plus vastes que ce qui est vaste l'espace. C'est-à-dire, c'est des bienfaits infinis. So, speaking about the three vehicles or the three yanas, we can see that there is a great diversity in the Buddhist teaching, in what the Buddha, the Enlightened One, gave us to understand and to practice. And the reason why there is such a big diversity is because we are sentient beings, human beings, are very diverse. They have diverse minds and capacities. They are all different. And therefore they require different types of teachings according to their own aspiration and capacity.
It's like in the medical field. When someone is sick, there is not, sorry, there is no universal medicine. You go to the medicine shop, and it's the same for everyone. It doesn't work like that. It depends the type of medicine you will get, and then the quantity you need to take every day, and so forth. Everything is very specific to you, to your sickness. So there's a great diversity of medicine and of treatments, depending on each person. So it's very similar. And then, how can we understand the different types of practice? There is a metaphor which is very useful, which is the how we relate to our own defilement, our own afflictions, the mind afflictions. Sometimes we call that conflicting emotion, but let's call that affliction or delusion, defilements. The metaphor is that of a toxic plant, or toxic tree, or toxic shrub, that even if you come near to it, or you touch it, and already you get some intoxication, some a poison, you get poisoned. In the Hinayana, the attitude and the view towards these afflictions, or towards this toxic shrub, is to avoid it. And Hinayana practitioners, they don't approach, they avoid the mental affliction. They keep themselves safe by sort of running away from the mental afflictions, protecting themselves by preventing themselves from approaching. So there are so many rules in Hinayana, all the discipline and all the vows. And if you study the monastic vow, fully ordained monks, they have hundreds of vows, hundreds of details how to avoid the inner afflictions, the inner defilement, by refraining, by abandoning, by abandoning, avoiding. That's the Hinayana. Because the danger is so great, it's so deadly. And in Mahayana, the approach is completely different. In Mahayana, we look for the root of the shrub, and then we uproot the shrub. We cut, we destroy the shrub. So it's a very different approach. We go to the root of our inner afflictions, mental afflictions, and we uproot them. And then in Vajrayana, it's very special, as we have said before, and the approach requires great skills and great capacity, because we are going to use the toxic shrub to transform it like an alchemist would do, and use that poison to turn it into an elixir, to turn it into medicine, something useful. So to be able to approach the shrub, the toxic shrub, the toxic plant, and not get poisoned, and to be able to work with that and transform it and turn it into elixir, into medicine, this alchemy, requires great strength and great capacity. It's not just anyone who can practice Vajrayana. Then we can distinguish the three yanas depending on the motivation. So in Hinayana, the motivation is get out of samsara, liberate oneself from the circle, the vicious circle of suffering. So it's about oneself, liberating oneself. In Mahayana, the motivation includes all sentient beings, and the aspiration and the motivation is to bring all sentient beings to the state of perfect Buddhahood. And then Vajrayana, which is very special. In Vajrayana, there is no such thing as I and other, as oneself and the other, the sentient beings. There is no such duality, there is no such concept. So it's even beyond the Mahayana, it's even higher. So depending on our capacity, we take refuge accordingly.
And we have yesterday we have reached. Sorry. We have reached the chapter on the benefit of taking refuge, and there is the question of how big is the benefit if one were to give it a shape. What shape? How big would that shape be? And the answer is that the shape is just like space. It's as big as space is. No, sorry, it's not as big. It's even bigger. It's even vaster than space, which means it's infinite, infinite benefit. Da, onzo chap sundrowa tsamji nangba tere de nangba re mato tekwa chimbo re yo mare. Di inzang tene niba tekwa chimbo ki jangchu chodo semche gogo yo re, senji minji. Tene di la da, di sanje ki sangje ne lo chibdengi che la, jangke phungpo ri la, Sungju de tekwachi mbogi chuyin yin sungju arda. Dila dene... J'ai pas bien entendu. Sang jene lo chubdin ki chela. Jagu pungbu rila sungju ki chuyin de tekwachi mbogi chuyin yin sigur maayana. Maayana dene. Diyin zangda chab sungju ne nangbari. Dene tekwachi mbogi sem jene dene tekwachi mbogi nangbari duku yorwa. Diyin zang inji minji tekwachi mbogi sem jie kukure yos. Ti lamte tene tangbu semji ki tomba, chanchu sempe tomba, tene lama, tsawa lama kundini shugu huyore, chabdru nasi yang tomba shugu huyore. Tene shu tsane, tene nganzoki nyamlen jegu huyore. Tene pecha nangla, tekchingi tsawa, chanchu chudu semji pe tila ase, sungudwa. Tene tekwa chimbo ki tsawa di, tene chanchu chudu semji atire, se di, Tene tangbo semche la, tangbo semche la, tene lo doya, lo do namba shidabu, tene jute menga dun, jute menga dun sik, tene sungyore pecha nalas, menga dun, doa. Tangbo di mar sheba, niba dun jemba, sumba dun soa. Marche pas d'une jamba d'une okay. Soa ok tene yung jamba yidu on jamba ok ningji chembo yidu on wa jamba ok tene ningji chembo leso laksam namda ningji chembo dela jude menga dun seyor jude menga dun gi rangi semyang jurne J'en ai que 5 donc là. Do I do simjing chaps? Chab de yores. Tene diso marsheba sedi. Tis simjin tam chirangi. Ama majeva chia yomare, sir, marsheba de. Tene amadia sarching marisa. Sanje korang yumdi. Sarangabja. Amaji buja amateur, sunger sanje. Tinashi, manzugi simjin tamjerangi, pamare, sarching mare, lendramangbo, but the. Rangi pamare marsheba and tene dirida marsheba di ta tekbo chimul ki chishu dor ridu sim je thamje rangi pamare pama charji mare sa mangbure samadi marsheba tene niba din jemba sedi mara marsheba merci
Donc le fait de prendre refuge, on a vu que c'est ça qui faisait de nous des bouddhistes, dans le sens où on est tourné vers l'intérieur et vers l'éveil. Et notre pratique ne s'arrête pas à cela. Nous sommes des pratiquants du Mahayana. Et le Mahayana, ce n'est pas simplement prendre refuge, mais c'est prendre refuge pour atteindre l'éveil complet, pour amener tous les êtres à l'éveil complet. Et ça correspond donc à un autre type d'enseignement qu'on vient de voir, le Bouddha a donné quand il a fait tourner le deuxième cycle de la roue du Dharma, le deuxième tour de la roue, qui est un tour qu'il a donné donc 17 ans plus tard. Et à ce deuxième cycle, au, ce grand véhicule qu'est le Mahayana, correspond une pratique spécifique qui s'appelle « générer et développer l'esprit d'éveil ». Et pour cette pratique, de même qu'on a vu qu'il y avait des vœux de refuge, il y a des vœux d'esprit d'éveil ou des vœux de bodhicitta. Bodhicitta en français c'est esprit d'éveil. Les vœux qu'on appelle souvent les vœux de bodhisattva, ceux qui ont l'esprit d'éveil. Donc pour recevoir ce vœu ou ces vœux, pareil que pour le refuge, on le reçoit d'un maître qualifié et une fois qu'on l'a reçu, on l'applique. On le met en pratique et on s'entraîne à l'esprit d'éveil. Alors comment est-ce qu'on fait pour générer l'esprit d'éveil et pour le développer ? Nous avons vu pour le refuge que pour prendre refuge dans une attitude qui permet une vraie prise de refuge, il faut avoir d'abord opéré une transformation de l'esprit. C'est la transformation de l'esprit qui permet la prise de refuge, cette transformation qu'on a préparée, qu'on a opérée à travers quatre contemplations, les quatre pensées qui détournent l'esprit du samsara. Eh bien, dans le Mahayana, la préparation mentale, la transformation qui va nous amener à être capable de prendre et d'observer, de pratiquer cet esprit d'éveil, c'est une préparation en sept étapes. Ou en sept branches, il y a sept implications. La première implication, c'est ce qu'on appelle en jargon reconnaître la maternité, reconnaître la mère. La deuxième, se rappeler la bonté. La troisième, rendre la bonté. Ensuite, cultiver l'amour. Ensuite, la grande compassion. Etc. On arrive à cette branche que nous allons voir les unes après les autres. Donc la première de ces branches, la première de ces implications de la transformation de l'esprit dans le Mahayana pour développer l'esprit d'éveil, pour d'abord lui donner naissance et ensuite le développer, c'est donc reconnaître la maternité ou reconnaître la mère et qui consiste à considérer donc au-delà de soi-même, autour de soi, l'espace. Et l'espace est infini. Cet espace, il s'étend à l'infini. Il n'y a pas de limite à l'espace. Et partout où cet espace infini s'étend, il y a des êtres sensibles, visibles ou invisibles, la plupart invisibles. Partout où il y a des êtres sensibles, donc aussi loin qu'est de l'espace, aussi infini qu'est l'espace, il y a des afflictions de l'esprit, il y a ces souillures de l'esprit, ces perturbations de l'esprit. Et partout où il y a des perturbations de l'esprit, il y a de la souffrance. Donc la souffrance est omniprésente, elle est infinie, elle s'étend partout où il y a de l'espace, il y a de la souffrance. Donc une immense souffrance pour les êtres qui sont dans les mondes inférieurs, dans les conditions inférieures d'existence qui sont les mondes animaux, les animaux ça inclut toutes les bactéries, tous les trucs microscopiques qu'on ne voit pas mais qui sont partout dans l'air autour de nous. Partout donc où il y a les animaux, les yidaks que nous ne pouvons pas voir non plus, les enfers que nous ne pouvons pas voir non plus, il y a donc une très très grande souffrance. Mais partout, que ce soit les mondes inférieurs ou les mondes supérieurs, il y a les trois souffrances qui caractérisent le samsara, à savoir la souffrance de la souffrance du changement et la souffrance omniprésente de tout phénomène composé. Et cette contemplation, cette première contemplation qui va nous amener à transformer notre esprit,
c'est donc la reconnaissance de la maternité, c'est-à-dire chacun de ces êtres infinis, aussi infinis que l'espace est infini, chacun a été notre mère. Et il a été notre mère, non pas une fois, mais un très grand nombre de fois. En fait, on ne peut pas compter. On a le cas du Bouddha Shakyamuni qui a parlé de sa propre mère et il disait que cette femme qui lui a donné naissance, Maya Devi, qui était donc sa mère quand il est devenu le Bouddha Shakyamuni, il a dit « ça fait 500 vies, 500 vies qu'elle est ma mère. 500 vies successives, je crois. En tout cas, 500 vies. » Et donc tous ces êtres infinis ont été nos mères et c'est la première contemplation que nous devons donc intégrer dans notre courant de conscience pour pouvoir développer donc, ces sept applications qui préparent l'esprit pour la bodhicitta. The moment we take refuge and the refuge vow, we are Buddhist, that means we are turned inwardly towards enlightenment. And that is just about liberating ourselves, but we want to practice the Mahayana, we want to upgrade to the great vehicle, and that requires another practice, not just getting out of samsara, but giving rise to the mind of enlightenment, bodhicitta. Giving rise and then developing bodhicitta. So this refers to the teachings that the Buddha gave 17 years after getting enlightenment. And he taught bodhicitta, and there is vow also, a commitment, a vow that we can take, and most of us have taken it. We receive again this vow from a qualified master, and once we have received the vow, we practice the vow, we train and we implement the vow in terms of training. So speaking about giving rise to bodhicitta, there is a transformation of the mind that allows us for giving rise and generating bodhicitta, the mind of enlightenment or the thought of enlightenment. We have seen for the refuge that in order to properly take refuge, there is beforehand, there is a transformation of the mind, which is to turn our mind away from samsara, from the cyclic existence. And this is made of four thoughts that turn the mind away. Similarly, for in the Mahayana, to generate the mind of enlightenment and take the vow of bodhicitta, there is a transformation of the mind, which takes seven steps or seven implications, seven branches of a spiritual transformation, spiritual development. The first one is called recognizing or acknowledging maternity or mothers. The second is remembering the kindness of the mother, and the third is repaying the kindness, and the fourth is about love, and then compassion, great compassion, and so forth. Seven points, seven branches of this transformation of the mind. We will see them in some more details, starting with the first one, which is acknowledging the mothers or maternity. And this is a contemplation of, so not just focused on oneself, but around ourselves is space, and this space stretches and spreads everywhere, it's expansive, and it is infinite, expanding infinitely. And there is space everywhere, limitless, and wherever there is space, there are sentient beings. So they are limitless, like space, limitless as the space. And so, wherever there are sentient beings, there are mental afflictions, mental defilements. And wherever there is mental affliction, there is suffering. So suffering is all-pervading,
all pervasive, everywhere, infinitely. And this suffering can be tremendously painful, as in the three lower realms, the realms of animals, that includes all the small microbes and so forth that are everywhere in space, and we cannot see, and they are the pletas, and they are the different hells with unbearable suffering. And wherever, be it in the three lower realms or the three upper realms of samsara, there are the suffering of suffering, the suffering of change, and the suffering, the all-pervasive suffering of composed, conditioned phenomena. And the contemplation, this first contemplation of acknowledging maternity, is acknowledging that all these sentient beings, limitless as the sky, as the space, have been our mother. They have been our mother not just once, they each have been our mother many, many times. The Buddha Shakyamuni, he mentioned about his own mother, the Queen Mayadevi. He said that she has been his mother for 500 lives. So it's not just his mother, it's every sentient being has been our mother for many, many times. And our mothers, therefore, are as infinite as space. They are everywhere. That's the first contemplation of acknowledging the mothers, the maternity. Tene da dring mar sheba dhla madar nu shana thasa. Da usang te wa chimbu la, tene semjin thamje peke chimbu charda. Rang pama insang semjin la pen dogu da dring an zog da wada. Tene sanje ki shen la cewa gejong mai nu se di semjin shen la cewa jena di gejong mare es chujeng mare sung di semjin shen di rang pama insang. Tene sumarama pamala dubujena dikwachima peyoro pamala yabujena sonam chimbu pesagoro tanganzo thekba chimbula tene tawanda budi shenla robajene rani jangju thopko goyore semje shenla robaje rangi dikba dane jangju thopko goyore shendendu zobwe jangju thopar deba tene dila shana rabanya tsoba tsoba do chwe tengo do Donc voilà le premier point, reconnaître la maternité, reconnaître ce lien de parenté avec tous les êtres qui ont été nos parents, qui ont été notre mère dans toutes nos vies, depuis le début sans commencement en fait. Et on ne va pas maintenant, parce que ça prend du temps de rentrer dans ces détails, on ne va pas regarder les autres cultures aujourd'hui, mais retenez que dans le Mahayana, donc on pense aux autres êtres, on prend en considération tous les autres êtres, l'infinité des autres êtres, et dans une relation qui est de reconnaître qu'ils ont été notre mère. Et donc apprécier ce lien qui nous unit aux autres êtres, et donc pratiquer pour tous les êtres qui ont été nos mères. On va donc laisser ça à ce niveau-là pour aujourd'hui, mais vous voyez que ça implique quelque chose qu'on avait déjà dans le Hinayana, c'est de ne pas faire le mal à autrui. Parce que si, puisque autrui, n'importe quel autre être, a été nos parents, a été notre mère, comment est-ce qu'on peut faire du mal et blesser un être qui est notre mère ? Ce serait une très très grande négativité de faire cela. Donc cela rejoint ce qu'on a déjà vu dans le petit véhicule, dans le Hinayana. Mais ça va plus loin, puisque la vue du Mahayana, c'est que en aidant les autres, on va essayer de les aider autant que possible, et c'est en aidant les autres, en faisant le bien d'autrui, que nous allons accomplir l'éveil. Donc ça se distingue du Hinayana, parce que ça s'appuie sur le bien aux autres. Et donc voilà, on s'arrête sur ce premier point, on va l'appeler pour aujourd'hui reconnaître la reconnaissance de la maternité, je verrai demain si j'ai un autre terme plus adapté en français.
So we will leave it at that for today because it takes time to elaborate all the details of this mind transformation. But we just keep in mind for now that we are practitioners of Mahayana, and therefore we don't focus on ourselves, but we integrate in our practice all sentient beings. And not only that, but the way we relate to all sentient beings is that they have been our parents, they have been our mother, and therefore it's like in Hinayana, where we refrain from negative deeds. Here again, we would not harm our mother, so we will never harm any sentient beings, because it will be very negative to harm a sentient being that has been one's mother. It's like harming one's own mother. It's very, very negative, so we don't do that. And not only that, but we try our best to benefit others, to benefit sentient beings. And in Mahayana, it is as we benefit other sentient beings, we ourselves get enlightened. That's the way it works. We get enlightened on the basis of altruistic attitude and altruistic deeds. So we leave it at that for today. That was what we may call acknowledging the mothers, or acknowledging maternity, which is acknowledging the connection we have with all sentient beings.